monde, c'est Maya. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Spider-Man. Sur ce, bon visionnage. Je devrais aller au centre Fist pour voir si Miles trouve ses marques. D'entre vous ont peut-être vu les lumières vaciller dans la prison de très haute sécurité du RAF la nuit dernière. Malheureusement, ce n'était pas lié au passage d'un détenu sur la chaise, non. Il semblerait que quelqu'un de là-bas ait eu l'idée judicieuse de faire payer son séjour à Electro, criminel multirécidiviste, afin d'économiser l'argent du contribuable. Cependant... Qu'est-ce que tu fous ici ? Il est costaud. Tu viens de faire une grave erreur, Tokar. Quoi ? Vous n'êtes pas un peu trop nombreux pour vous en prendre un ado ? Ça va ? Vous êtes Spider-Man ! Vous êtes l'incroyable Spider-Man ! Le spectaculaire Spider-Man ! Tu utilises des adjectifs plus flatteurs que Jameson. Écoute, t'as été courageux, mais la prochaine fois, faut laisser faire les pros. Ok ? Ok, et si les pros sont pas là ? Non, tu peux pas te jeter comme ça sur des types qui font deux fois ta taille. Enfin bon, moi je dis ça, ça m'arrive souvent de combattre plus fort que moi, mais tu vois, dans ces cas-là, je... Ouais, une fois vous avez affronté le Rhino sur le pont de Brooklyn, ah, c'était trop génial. Très bon exemple. Si l'ennemi est plus fort, il faut être plus rapide. Ok ? Je sais, mais c'est facile à dire pour vous. Désolé, mais moi, je suis pas comme vous. Allez, mets-toi en garde. Sérieusement ? Ouais, vas-y. L'important, c'est de toujours rester calme. On inspire, on expire, on se détend. Les hanches face à l'ennemi. Tu attends qu'il attaque, tu bouges tes pieds, et quand ils sont déséquilibrés, tu cherches une ouverture. Bam ! Comme ça ? Ouais, voilà, c'est bien. Ok. Allez, cette fois, tu frappes pour de vrai. Dans la mâchoire. Ok. Ok ? Vas-y. Oh, oh mince ! Pardon. Ah, non, non, non. Non. Pas de problème. Continue comme ça et tout ira bien. Bon, fin de la leçon, je dois y aller. Merci pour tout. Y'a pas de quoi. J'ai frappé Spider-Man. Le refuge devrait être droit devant. Yo, Miles, ça va ? Oh, mon pote, tu vas pas me croire ! Je viens de rencontrer Spider-Man ! Quoi ? C'est dingue ! Eh, tu lui as montré notre appli de piratage ? Oh non ! J'ai complètement oublié ! Oh, t'assure pas ! Il te l'aurait forcément acheté et on serait devenus célèbres ! Ouais, je lui montrerai la prochaine fois. Faut que j'y aille, j'ai promis à ma mère que je serai pas en retard. Ok, à plus alors. Le marché. Je peux passer par là. Allez, circulez, circulez. Pas de photos, s'il vous plaît. Circulez.
J'espère que personne n'est blessé. J'étudierai ça comment bien. Genre 50% de réaction à décapitation. 50%? Ok, là ça vaut le coup de sortir. On a plus de piratage. Est-ce qu'elle marche encore? Plutôt stylé. Par-dessus la barrière. Connaissez-vous quelqu'un du nom de Martin Lee? Le gars du... Vous l'avez vu? Non. Ouah, c'était trop facile! J'y crois pas, les systèmes de SAM, c'est vraiment une passoire. Je me demande si je devrais pas leur envoyer un petit tuyau anonyme. Mieux vaut éviter ces types-là. Piratage. Ne laisse pas tomber. Ok. C'est le moment ou jamais. Allez, réfléchis. Je peux passer sous la barrière à gauche ou par l'échafaudage à droite. RAS, je continue ma patrouille. L'échafaudage devrait m'aider. Des drones, je dois les désactiver. Oh non! Oh non! Ces drones-là sont armés! Mieux vaut pas me faire repérer. Bonne nuit. Ce serait tellement cool si c'était un peu moins flippant. Caméra désactivée. Je peux y aller.
petit café ferait pas de mal. La caméra va finir par me repérer. Il faut que je me dépêche. Qui est là? Wow! Ok. Je m'en suis sorti. Eh ben... Ok. Je m'en suis sorti. Eh ben... Hey, salut maman. Salut mon char, ça va? Tu es bien arrivé au refuge, fils? Ouais, j'y suis presque. Mon chéri, tu n'es pas obligé de travailler à ce refuge, tu sais. T'as dit que je devais? Non, je t'ai laissé le choix. Ouais, et ça vaut toutes les séances de psy. Enfin, je veux dire, ça m'a aidé, hein. Le gars me dit qu'on vit pas tous le chagrin de la même manière. Moi, c'est ça ma manière. Très bien, désolé. Maman. Oui? C'est pas parce que j'ai pas envie d'en parler que je t'aime pas. Oh, mon chéri, je t'aime tellement. On s'en sortira, d'accord? Je dois y aller. Je t'appellerai sur le chemin du retour. Respirez calmement, je reviens, monsieur Hodges. Salut, Miles. Peter. Désolé pour le retard. Non, c'est rien, je suis content de te voir. D'accord, alors... qu'est-ce que je peux faire? Tu pourrais commencer par... te familiariser avec le centre. Parler à des gens. En distribuant du café. Café, ok. Et je passerai te voir pour vérifier si tout va bien, d'accord? Ouais... Oh, t'en fais pas pour monsieur Hodges. Il mord pas. Enfin, pas trop. T'es sûr? Café? Merci. Je peux aider? Demande si tu peux me dire ce que c'est qu'un quark. C'est une particule subatomique. Ce sont les éléments constitutifs des protons, des neutrons, des hadrons. Subatomique. Ça rentre? Bien joué, petit. Oh, c'est de la camelote. Oh, saleté! Mais pourquoi ça marche pas? Je peux jeter un œil? Hein? On a des tubes cathodiques au lycée. Je sais comment ça se répare. Tubes cathodiques à quoi? Non, non, suffit de... Mais tu... trois fois! Et... ça repart! Ou... il y a un faux contact, peut-être. D'accord, d'accord. Eh ben vas-y, essaie, hein, monsieur le petit génie. Allez, à toi de jouer. De nombreux hommages ont encore été rendus à l'agent Jefferson Davis, le héros tué lors de l'attentat à l'hôtel de ville. D'après de nouveaux témoignages, il aurait utilisé son corps comme bouclier pour protéger des gens de l'explosion. Hé, hey, le nouveau, je suis à sec, là. Un héros? Il a rien fait d'héroïque, il s'est juste fait sauter. Ah, Ernie, je vous présente Miles. Il vient donner un coup de main. Vous avez dû entendre parler de son père, Jefferson Davis. Avec tout ce qui lui arrive en ce moment, c'est plutôt sympa qu'il soit venu nous aider. Pas vrai? Ouais. Merci. Écoute, gamin, je... je suis désolé pour ton père. Bien, Miles. Ma tante a besoin d'aide en cuisine. Tante May, je vais devoir y aller, mais... j'ai amené des renforts. Ah, Miles, je suis ravie de te voir. Bien, mets un tablier, lave-toi les mains et je te fais visiter. Hé, Peter. Merci pour ce que t'as dit là-bas. Pas de quoi. Il est presque midi. Sable va déplacer le docteur Michaels. Il faut que j'aille à la Bowery pour le retrouver. Nos ordinateurs sont un peu vieux, donc je le crains. Oh, pas de soucis. Je verrai si je peux pas optimiser leur performance. C'est vrai? C'est une belle journée qui s'annonce.
Peter, dis à ta tante d'arrêter de travailler aussi dur. Salut, Pete. Ta tante, c'est une sacrée bonne femme. Salut Yuri, je me rends dans le Bowery pour m'assurer que Michael sera bien à l'abri dans son nouvel abri. J'éviterai à votre place. Silver Sable a été très clair. Vous n'êtes pas le bienvenu. Ouais, bah qu'est-ce qu'elle va me faire? Me tirer-tu? Honnêtement, il y a 50% de chance. Ah, ok. Je serai dans les environs, mais pas trop près, au cas où. Entre nous. Si le souffle du diable est lâché sur la ville, quel est notre pire scénario? Bon, vous savez, épidémie massive, part du monde, voilà le truc. Pourquoi je pose la question? Quartier de la Bowery. À toutes les unités, on vous signale un accident de la route. Des civils sont bloqués. Nous sommes prêts, Dr. Michaels. C'est le souffle du diable? C'est le GR-27, pas... Faites-y attention! Entre de mauvaises mains, les risques... Rassurez-vous, nous sommes les meilleurs au monde. Je me sens déjà bien mieux. Code 381, le paquet est en route. Par ici, Dr. Michaels. Qu'est-ce qui se passe? Alerte! Sécurisez le paquet! Éloignez le mouvement! Ah! Ah! Bienvenue à bord, docteur. Me touche pas, tout est sous contrôle. Ah oui, je vois ça. Yuri, je suis à la poursuite de Martin Lee. Je crois qu'il détient le Dr. Michaels et le souffle du diable. Bien reçu. Je vous envoie des unités. Il garde Michaels en vie. C'est bon signe. Sans doute pour le forcer à fabriquer plus de souffle du diable. Ah, je dois arrêter ce camion. Ce tank, on parlera ce truc, quoi. Ah!
faut éliminer les types dans les camions avant de poursuivre les... Ouvrez le feu! Sam! Vous allez faire tuer quelqu'un! J'ai un regard avec ton patron. Stoppez le camion. Sam, arrêtez. Code rouge ou bleu ou violet, je sais pas moi. Mais cessez le feu. Cible perdue, rattrapez-la. Épaisseur. Donnez-moi ça! J'espérais te conduire ici. Mes capacités me confèrent un certain pouvoir de persuasion. J'ai eu le temps de t'observer. Je t'ai attendu à l'hôtel de ville. Enfin, où étais-tu passé? C'est réel ou c'est dans ma tête? C'est fâcheux. Tous ces innocents qui sont morts, sans héros pour voler à leur secours. Ce policier t'a sauvé la vie, je me trompe? Il était là à cause de toi. Et Norman qui voulait se servir de lui. Un réflexe futile, en fin de compte. Et où était Norman pendant tout ce temps? Il se défilait, comme un rat. Il savait ce qui allait se produire, et il s'est enfui. Norman est comme une tumeur qui ronge cette ville. Il faut la retirer, avant que le mal ne se propage. Norman se cache derrière un masque de mensonge. Je le ferai voler en éclats, pour le révéler au grand jour. Enfile ce masque! Deviens l'un des nôtres! Merci, mais non merci! D'une façon ou d'une autre, tu vas me rejoindre! Oh non.
ces pertes humaines, ces victimes innocentes que tu n'as pas pu sauver. Martin, vous avez leur sang sur vos mains. Tu peux arrêter au sang. Tu as tellement de force. Je t'offre la détermination. Ils sont tombés comme des mouches, et tu n'as pas bougé. Je peux pas sauver tout le monde. Qu'est-ce qu'une vie? Une seule vie, en échange, tu le rends condamné. Tu défends la borne, tranquillement installé dans sa tour de poids. Pas réel. Montre-moi ta vraie force. À genoux devant moi. Les ombres m'ont prêté à des gens, et je leur donnerai ma force. Masque. Quoi ? Je dois détruire le masque ! Je vous abandonnerai pas dans les ténèbres, Martin ! Arrête ! Je t'interdis ! Retournez vers la lumière ! Je vais te tuer. Non ! Tout va bien ? Ils l'ont pris ? Ouais. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Plutôt, oui. Vous êtes populaire, dis donc ! Où est le sérum ? Ils l'ont. Didiscoya. Bravo, le super-héros. Vous croyez sauver les gens, mais vous faites qu'aggraver les choses. C'est votre faute. Ma faute? C'était à vous de le protéger. Ah, il vous en faut deux? Assez! Vous devez prévenir Monsieur Osborne. Je vais la suivre. Merci. Je ne l'oublierai pas. Yori, dites-moi que vous avez une piste pour retrouver Martin Lee. On a la vidéo d'un témoin dans un café. Apparemment, il est monté à bord d'une berline noire après l'accident. Une berline noire ? Génial. Attendez, laissez-moi finir. On a un morceau de la plaque, et l'un de mes hommes a trouvé une berline noire correspondante dans un parking, à l'angle de Canal et Hudson. Vous êtes extra, Yori. Je suis en route. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes et activez la cloche de notification. Ciao tout le monde.